Salut les gens, c'est à nouveau Bébé Tigrou. Pour l'épisode suivant donc de Infamous Second Son. On s'était laissé devant cette superbe mission. Fetch comme l'air, d'accord. Nous commençons la mission. D'accord. Ah oui, c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. D'accord. Hey, monsieur, signez la pétition pour lutter contre la drogue. Si on n'arrête pas ce poison, nos jeunes finiront comme Fetch Walker. Fetch Walker? Les drogues ont contaminé son corps. Elles ont changé la biodiversité. Nous voulons débarrasser de saleté. Saleté, hein? Hey, vous battez avec nous ou contre nous? C'est quoi déjà le nom de ce magazine, tu sais, avec que celui qui n'a jamais pêché me jette la première pierre. Oups, j'ai pas fait gaffe. Waouh, je suis vraiment impressionné par ton calme. Mais tu devrais plutôt patienter près du néon, d'accord? Je serais beaucoup plus discret. En plus, elle va certainement revenir pour recharger ses batteries. Ouais, et puis là-haut, il y aura moins de gens à qui j'ai envie de défoncer la tête. Oui, aussi. Ah oui, c'était la Bible, en fait. C'est la citation. La Bible. En tout cas, oui, je pose la question. C'était pas le cas. J'ai besoin de vie. Excuse-moi, j'ai pas prévu en fait de t'en fumer, c'est pas plus mal. En fait, c'est de l'évolution des pouvoirs, parce que du coup, j'ai... Je comprends pas, j'ai des trucs... Oh mon dieu, bonjour. Jelsine, dirige-toi vers la lumière. Dit comme ça, ça paraît dégueulasse. Il est où? Il est sur nous? Delsine, l'enseigne en néon, ok? Le gros machin qui brille. J'admirais le panorama. Ok, je dois trouver une planque. Ok, ça va le faire. La surveillance est en mode clodo. Excusez-moi les gens. Tu me hais. Sois mon ami, l'argent. Viens par là, avec moi. Tout va bien. Encore ce truc. Comme la dernière fois, Delphine, concentre-toi. Ah non, tu vas pas y échapper, je suis prêt maintenant. Comme l'éclair, trésor. Wow. Mais fous-moi la paix. Au passage. Ah, c'est classe. Hé, hey, tu cours sur les murs? Ah, moi aussi, je cours sur les murs. Ah, elle va trop vite! Allez, mon gros, ah bah. Bouge ton boule! Pas dit le contraire.
quelques jours. Alors si en plus on fait évoluer le pouvoir, mais pas dans le bon sens. Je me suis habitué à certaines choses en fait de mes pouvoirs. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé. C'est un peu psychédélique en fait. Laisse-moi tranquille. Si je veux pas te laisser tranquille, je fais quoi? Non, non, non! Vraiment que tu te calmes, compris? T'inquiète pas. Je retournerai pas juste... là-bas! Laisse-moi tranquille! Bonne nouvelle, c'est qu'elle a manqué Dieu. Mauvaise nouvelle, il fait peur du noir. Ah. C'était trop bon! Peut-être que tu pourrais arrêter d'essayer de me tuer. Et comme ça, on épargnera les enseignes de bière. Je suis pas avec Augustine. T'es un putain de robot. Combien de fois j'ai... Attends, tu parles de vrai robot? J'ai juste un peu de tes pouvoirs. Encore deux millions. Ça fait carrément mal en fait. Ok, faut que je trouve comment faire pour remonter. Ok. Ok. Je vais vous voir, je sais que vous êtes là. Surprenez-moi. R2 pour lancer un rayon néon. Elle est où? Celui-là aussi, je vais m'en servir. Je peux courir, mais pas te planquer. Bordel, mais t'es où? Touché. J'y retournerai pas. Mais je vais pas te faire retourner, en fait. Vachement futé. Mais fous-moi la paix. Non. Arrête. Non. Oula, faut vraiment que je fasse gaffe autant. Je t'entends respirer. Ah merde, c'est bon. Mais elle est naze, elle.
Ah. Touché. Ah, elle m'énerve, cette épée sur moi, elle va faire ça. Ah, j'y suis presque. Voilà. Non, non, non. Quand j'étais petite, je pensais pas que ça m'arriverait, que je deviendrais l'un d'eux. Et puis mes pouvoirs sont apparus. Mes parents m'ont balancé. Ils savaient ce que le gouvernement faisait aux gens comme moi, et ça les a pas arrêtés. J'étais complètement paumée. Et mon frère, Brent, a pris nos manteaux, et on a filé. C'était dur de vivre dans la rue, de bouger de ville en ville, sans le moindre confort. Puis on a rencontré des dealers. Et on est tombé dedans. Mauvais plan. La dope. C'était le paradis. Mais on en voulait toujours plus. Le manque, c'était l'enfer. Il nous fallait un fixe à tout prix. Et quand tu perds ta cam, quand tu crois que quelqu'un te l'a volé. La cam, les dealers, ils te font faire de ces trucs. Donc elle a tué son frère. Non, Brett, je suis. Le gouvernement m'a chopé en vitesse après ça. C'était pas une prison normale. Ils m'ont appris à tirer, à tuer aussi. Alors le jour de l'accident, je me suis échappée en ayant appris plein de trucs. Tout ce qu'il me fallait pour régler ce bordel. Brent, je te jure, tous les dealers que je croise finiront avec ton nom gravé sur la poitrine. Plus personne souffrira comme on a souffert. Non, grand frère, plus personne. Il va falloir faire vite, par contre. Ça va, frangin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as assuré, mon grand. Allez, debout. Bien joué. Hey, t'as bien fait. Je connais l'endroit parfait pour la vermine dans ce genre. L'endroit où elle sera à l'abri d'Augustine et où elle fera plus de mal à personne. Eh, non. Es-tu juste des dealers, c'est tout? C'est tout? Delsine, elle assassine des dealers. Bon, il va falloir que je vous laisse, les gens. Je sais que c'est en plein milieu de la cinématique, mais sinon j'aurai plus de temps. Voilà, allez, à tout à l'heure dans l'épisode prochain. Ciao, ciao.